était une fois un homme qui était la musique. Seul, dans sa maison bulle, cernée par les buildings, il créait l'univers sonore de l'an 2000. Au moment où l'on ressort Blade Runner, le film culte des années 80, signé Ridley Scott pour l'image et Vangelis pour la musique, l'homme au disque d'or, qui l'affiche, mais dont il se fiche, ne croit qu'en la musique, simultanément créée, jouée, enregistrée. Entouré de synthétiseurs d'usage courant, mais dont seul il détient la clé de l'organisation, il laisse jaillir de son inspiration un monde complexe et poétique d'émotions qui mettent en scène une multitude d'instruments aux couleurs sonores infinies. Diable d'homme qui se dresse avec fougue contre un enseignement musical trop souvent castrateur et qui dénonce, non sans humour, le jargon des chiens de garde d'une certaine musique contemporaine qui élabore longuement dans le secret des musiques purement cérébrales. Vangelis, c'est l'inspiration à l'état brut, c'est l'émerveillement candide de l'enfance retrouvée. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire là? C'était la musique enseignée, ça, tout de même. Non, jamais. J'ai jamais appris, non. J'avais 4 ans à l'époque. Bon, ça donnait quelque chose comme ça. Que je me rappelle quand j'avais 4 ans. Et ça, c'est évidemment, c'est signé Vangelis, ça. Oui.
on peut faire tout. Ça c'est bon, simple, piano. C'est que des exemples. C'est des sons ensemble. On joue comme ça pour vous donner certaines couleurs. Je sais pas qu'est-ce que je joue, mais enfin, pas grave. Et moi, ce qui me fascine, c'est que je me rappelle, je vous connaissais pas finalement. Ouais. La première fois que je suis allée voir Blade Runner. Oui. Blade Runner, avec l'accent. Non, je sais pas. Je voulais pas autre chose. Mais quelque chose d'amusant. D'amusant, mais je sais pas. Musique contemporaine. Voilà, musique contemporaine. Allez, on prend un air sérieux. Oui, oui, il faut être très sérieux. Oui, non, mais on va pas rire du tout. Donc, il faut, oui. On n'est pas là pour ça. Il faut constiper mon esprit. Ça va être très dur. Ah, bon, attendez. Ah non, c'est trop beau, ça. Mais contemporain, c'est la torture pour moi. Toujours le titi, je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui se casse. Mmh.
Ouais, tu veux ça? Diffusion, partition difficile. Ouais. Alors on a eu un jazz génial avec du sax. Vous avez enregistré? Oui, c'était très bien. C'est vrai? Ah oui, on a enregistré? Mais oui, on a pris le sax, non? Ça peut aller des heures comme ça, enfin. Mais qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas.
savez, ça c'est... Bon, attendez. On va voir. Est-ce qu'elle est là, la guitare? Elle est là. Voilà, elle est là. La guitare est là. Attendez. Elle est là, la guitare. Et la guitare, on peut faire plein de choses. On peut faire... Évident. Excusez-moi, guitare, où elle est? Ça voyage. Oui, là, dans la guitare. C'est une autre guitare. Ouais. Bon, même son. Alors, je sais pas. Ça. Ah, vous aimez, oui. Ah oui, non. Je veux dire, c'est magnifique de pouvoir faire ça à travers un son. Thank you.
je prends bien un petit hautbois maintenant. Attendez. Voilà. Enfin. Mais là, peut-être, vous me dites ça et moi, tout de suite, je vous joue un hautbois. Mais je voudrais faire quand même. Essayer de préciser la chose. Il ne s'agit pas d'imiter un hautbois.